Fermez les yeux. Et revenez à l'intérieur. Ce n'est pas un emplacement physique. C'est un état d'esprit à l'intérieur. Sentez-vous vivant. Sentez-vous conscient. On ne peut rien faire pour devenir conscient. On est déjà conscient. On peut juste réaliser, comme découvrir, que l'on est déjà conscient. Tout devient de plus en plus détendu, profond et vide. Tout devient clair, souple, se détend dans un sourire. Tout le corps, progressivement, se change en chi, devient de plus en plus spacieux et vide. De plus en plus conscient d'être là. D'être présent. Observez à l'intérieur de la tête. Et nous allons utiliser le son un, à voix basse ou silencieusement, en observant les changements à l'intérieur de la tête. Détendez, souriez. Tout devient plus fluide à l'intérieur. Observez le palais de Shenji, le centre de la tête.
et simplement observez les transformations avec chaque un. Ne vous intéressez pas à ce qui ne change pas. Intéressez-vous uniquement à ce qui change. Soyez généreux avec le moment. C'est-à-dire, acceptez-le sans le juger. Ayez cette générosité de cœur de vous ouvrir au moment. Le palais de Shenji est abondant, fusionne avec le Tantien supérieur. Fusionne avec tout le corps de Qi, le palais de Shenji s'ouvre. Fusionne avec le corps de Qi. Tout le corps de Qi devient plus clair, transparent et pur. Tout devient plus détendant, plus moelleux, plus confortable. Détendez-vous profondément. Ne cherchez pas la vitesse, cherchez la détente. Ne cherchez pas un résultat. Souriez et donnez de bonnes informations avec le. Le Hum transforme à l'intérieur de tout le corps de Chi, qui s'unifie, devient de plus en plus cohérent, harmonieux, uni. Continuez à dire observez le cou et la gorge. Quand la conscience et le apparaissent dans un espace, se concentrent sur un espace, alors le cou et la gorge deviennent tout de suite plus purs, clairs et transparents, vides, purs. Présent, cet espace s'éveille. Observez les épaules et la continuité des épaules, les bras jusqu'aux doigts.
Et le N peut devenir de plus en plus fin. Qu'il soit à voix basse, silencieux, en pensée, dans l'intention, peut devenir de plus en plus fin. De plus en plus pur et délicat. L'espace des épaules et des bras deviennent plus purs et plus clairs, transparents et vides, s'éveillent. S'harmonisent profondément avec le Tantien supérieur et le palais de Shenji sous porte du ciel sous les yeux, observez les yeux, observez le nez, chaque organe des sens, est relié à nos organes. Et il y a un espace qui à chaque fois relie les organes des sens avec les organes eux-mêmes. Explorez. Les oreilles, ne vous limitez pas à un concept de MTC. Explorez. Vivez. Apprenez par vous-même, de vous-même. Soyez votre propre source d'inspiration.
la bouche, les gencives, les dents, la langue, la mâchoire, toute la bouche. Le palais de Shenji s'ouvre et connecte avec la bouche. Le palais de Shenji s'ouvre et connecte avec les oreilles, le nez, les yeux, avec la porte du ciel. Observez la base du crâne à l'arrière. Observez, prenez conscience du processus d'observer. Vivez l'expérience d'observer et devenez l'observateur. À l'intérieur du cou et de la gorge, du tantien médian. Observez le cœur. Vous n'avez pas besoin de le regarder pour l'observer. Vous êtes le cœur. Le cœur vit à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de notre conscience. Le cœur et nous sommes un. Il ne peut pas y avoir de différence. Prenez conscience que toute différence est une illusion. Et vivez le cœur par l'intérieur. Observez-le par l'intérieur. Et détendez de plus en plus votre intention, devient de plus en plus légère, l'intention du un, l'intention d'observer, devient de plus en plus légère.
Détendez, souriez. Le cœur s'ouvre, connecte avec les poumons, tout le temps tienne médian, les bras, le cœur s'ouvre et se sent, connecte avec le palais de Shenji. Le lien entre le cœur et le palais de Shenji existe toujours. Quoi que nous ayons conscience, jamais ça ne se déconnecte. Jamais vraiment, car sinon nous mourrions. C'est toujours uni à un niveau fondamental, pur et éveillé, au niveau où tout fusionne pour ne faire qu'un. Le cœur et le palais de Shenji sont toujours en harmonie. Et si nous ne vivons pas trop peu cette harmonie, alors elle a du mal à s'incarner jusque dans la réalité du chi et la réalité du corps. Et c'est là où est l'impression que le cœur et le palais de Shenji peuvent ne pas être bien connectés, que quoi que ce soit à l'intérieur de nous peut se déconnecter du reste. C'est que nous n'incarnons pas vraiment ou pas assez ce que nous sommes vraiment en permanence. Le palais de Shenji, le palais du cœur, les poumons, les os et les moelles, tous les tissus, les muscles, les tendons, les ligaments, la peau, système nerveux et sanguin, tout le tantien médian s'ouvre, communique librement avec l'univers. Le pur chi de l'univers pénètre abondamment par toutes les directions à l'intérieur. Le tantien médian descend, se connecte dans le tantien inférieur. Observez le tantien inférieur. Le yin doucement fermé vers le haut. N'essayez pas de saisir quelque chose et rendez-vous compte que c'est l'espace qui nous contient. Tout ce que nous percevons est entouré d'espace et composé d'espace.
L'intérieur du Tan Tien est entièrement vide, profond. Et tout l'entourage du Tan Tien, ce qui le définit, est vide. Et ce vide s'ouvre. Le vide, c'est vivre. C'est ce que l'on veut dire par vide, sans être vide. Le vide, c'est vivant. C'est la forme de vie la plus primitive, la plus originelle. C'est le vide. C'est la première forme de vie de l'univers. Première expérience c'est celle d'être vide. Et ce vide est conscient. Sinon, comment en faire l'expérience? Et il n'est pas conscient à l'extérieur de nous. Il est conscient parce que nous sommes la conscience. Le vide est juste vivant. Et la conscience humaine l'éveille. Le vide se déploie depuis nos profondeurs, jusque très loin dans l'univers. Le vide et la conscience s'unissent et se marient, s'harmonisent. Le vide est spacieux, volumineux et immense, vaste, à perte de vue, si loin qu'on ne peut plus l'entendre. Si pur que son ressenti. Et comme le ressenti de la conscience. Être s'harmonise avec l'être de l'univers. Nous sommes l'univers. Tout souriez, détendez. C'est un très beau moment que nous vivons. Grâce aux premiers qui se sont éveillés et ont diffusé l'enseignement à travers les milliers d'années, à travers les milliers de pratiquants, dans les centaines de cultures, jusqu'à nous aujourd'hui. La pure information d'éveil déferle, s'harmonise et transforme tout notre champ de conscience.
toute la force de vie, tout notre champ d'amour. Ouvrez complètement le cœur. Observez le temps de tienne inférieur. Le temps de tienne supérieur. Si pur. Le cou et la gorge. Le temps tienne médian. Les épaules et les bras. Le temps tienne médian, le cœur, les poumons, le temps tienne inférieur, le 1 en pensée ou silencieusement. La pensée du un préexiste à la sensation physique du un. Il est d'abord une pensée avant d'être une sensation. Et il n'y a pas besoin de créer une sensation pour vivre l'expérience du un. La
conscience peut se valider elle-même comme disant un, même s'il n'y a pas de sensation. Pour confirmer cette expérience. Le palais de Shunji, le palais du Dantian inférieur fusionnent ensemble. Le palais de Mingmen, le palais de Shunji fusionnent ensemble. Ce centre avec le palais du cœur. Le palais de Shunji est la porte du ciel ouverte. Le palais du cœur est à pas haut sur les côtés ouverts. L'avant du cœur ouvert, l'arrière du cœur ouvert. Le palais de Mingmen. Et Mingmen ouvert, le nombril ouvert. Weiyin fermé vers le haut, connecte à travers le palais de Mingmen, le cœur, le palais de Shenji. À travers la porte du ciel. Intang, entre les sourcils, se relâche et s'ouvre. La base du crâne s'ouvre. Autrement dire, le palais de Shunji s'ouvre en avant, s'ouvre en arrière, s'ouvre sur les côtés, s'ouvre par les organes des sens. Le pur chi pénètre abondamment, transforme et éveille abondamment le cou et la gorge, toute la colonne thoracique, les lombaires, le sacrum, le coccyx, et descend profondément dans l'espace. Tout relâche, si pur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ne réfléchissez pas. Vous savez ce que vous voulez vraiment. Sinon, ça ne serait pas ce que vous voulez vraiment. Ouvrez complètement le cœur. Qui s'ouvre et touche tous les êtres, tous nos rendez-vous, tous les êtres d'amour, de conscience, tous les rendez-vous qu'on a avec nous. Tout se relâche et s'ouvre dans l'univers, tout s'harmonise dans plus vaste. Plus grand que avec tous les êtres que l'on aime. Tous ceux qui nous aiment.
s'harmonise, devient puis les premiers éveillés. Tout s'harmonise très très profondément. Les jambes très pures. Tout maintenant est dans la conscience en éveil, dans l'ing-tué. Ling-tué rayonne dans l'univers. Continuez à dire un. Ouvrez le cœur complètement. Détendez, souriez.
Laissez passer tout ce qui peut apparaître dans la conscience. Les idées, les émotions, les sensations. Laissez tout passer. Ne revenez qu'au un. Observez le temps de tienne inférieur pour dire. Le temps de tienne inférieur devient de plus en plus pur et ouvert. Observez les reins. Observez le foie.
au niveau de l'espace, du vide, tout est toujours connecté en permanence, parce que tout est toujours vide. Et au niveau du chi et de la matière, la connexion demande du temps, peut être plus ou moins connectée. Plus ou moins de chi peut circuler et la matière peut se toucher ou s'éloigner. C'est vrai, au niveau de la matière et du chi, il faut du temps et de la proximité ou de la distance. Mais ça ne s'applique plus au niveau de la conscience et de l'information, au niveau de l'espace. C'est juste que ça n'a plus d'existence, parce que tout est toujours vide et tout est toujours un. Les limites que nous percevons, c'est notre identification au niveau du chi ou de la matière, qui nous font percevoir des processus, des distances plus ou moins proches ou loin, plus ou moins connectées, plus ou moins circulant. Mais dès lors que la conscience va plus profondément, passe au travers la réalité du corps et du chi, c'est juste que tout est espace et tout est connecté ensemble. La conscience peut naviguer librement, circuler librement, partout dans tout l'univers. L'univers et la conscience sont un. Nous sommes des êtres miraculeux. Et nous pouvons utiliser ces capacités dès lors que nous vivons l'expérience d'être la conscience, d'être conscient. C'est le prérequis, la condition. Plus nous validons l'expérience d'être la conscience, plus elle grandit, plus on l'incarne, plus notre vie et nos capacités changent, évoluent et s'améliorent, et nous allons toujours plus près de ce que nous sommes vraiment, la source d'amour, d'espace inconditionnel. La source qui donne toute vie. Et nous pouvons en faire l'expérience. En vivre l'expérience totale s'appellerait l'éveil, l'illumination, l'expérience d'Iluanti. Vivre complètement ce qu'est la conscience, sans aucune condition, sans aucune limite ni aucune restriction, sans rien cacher ni recouvrir. Être la pure conscience et le vivre. Tout se résout par l'expérience. La pensée, les théories, sont des très bons soutiens pour nous permettre d'aller vers l'expérience. Les professeurs sont les très bons guides pour permettre d'aller vers l'expérience, de l'éveiller en nous, de nous permettre de nous en souvenir et de la vivre. Mais là, vivre l'expérience, il n'y a que nous.
chacun pour soi qui peut le faire. C'est absolument personnel et totalement intime. Mais c'est la même expérience pour tous. Nous sommes fondamentalement seuls face à nous-mêmes, dans notre envie ou non de nous abandonner à l'expérience. Personne ne nous jugera, personne ne nous reprochera rien, personne ne peut le faire pour nous. La plupart des gens n'ont absolument pas envie de vivre l'expérience, d'être la conscience, ne comprennent même pas l'intérêt que cela pourrait avoir. En dehors de notre communauté et des communautés des autres pratiquants, rien dans la société ne soutient notre mouvement, qui existe pour moi, pourtant depuis l'aube des temps, depuis les premiers éveillés. Nous sommes fondamentalement autonomes et indépendants à ce niveau-là. C'est nous qui décidons de nous abandonner à l'expérience ou pas, de la cultiver ou pas. Il n'y a aucun bien et aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun jugement de valeur, de qualité ou de morale. Parce que ça n'a rien à voir avec les jugements. C'est à un tout autre niveau que ça se passe qui est avant la capacité de juger. Il faut que chacun prenne la décision pour soi. Et cette décision évolue au fil du temps. Ce n'est pas stable. Le plus souvent, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que vivre l'expérience de la conscience, c'est revenir à l'expérience de l'unité. Avec l'univers et la conscience, avec la force de vie et le corps de chi, avec la force de vie qui donne toute matière, tout comme elle a donné notre corps. Toutes les capacités sont là, dans le fait de vivre ces expériences, consciemment. De vivre l'unité et l'harmonie, de vivre l'expérience du un. C'est la porte ouverte à toutes les merveilles, à tous les miracles. Elle est toujours là, toujours patiente et toujours disponible, toujours généreuse, ne sera jamais fermée, n'a aucune émotion, aucun jugement. Aucun reproche. Aucun encouragement. Juste une grande et immense disponibilité généreuse et ouverte. Spacieuse. Toujours là.
qu'on se prenne la tête ou non, c'est toujours là. Et on ne peut le vivre qu'en prenant conscience. Souriez, détendez, ça dépasse tous les jugements. Notre champ de conscience s'ouvre dans l'univers, s'ouvre dans notre foyer qui s'illumine comme une étoile. Tous les objets, la nourriture, l'eau, les médicaments, tout s'illumine. Dans notre famille, tout devient pur, tout devient rare. Toutes les familles du monde.
tout le champ de conscience et d'amour qui touche la conscience et l'amour de toutes les familles du monde, tous les gens. Nous sommes des millions en même temps à ouvrir notre cœur, à ouvrir notre esprit. Et nos informations s'harmonisent et communient. S'unifient et s'intensifient. Se répondent en un écho qui amplifie chacun, illumine chacun. Nous rayonnons et illuminons les uns et les autres dans l'univers qui s'illumine. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour l'humanité? Laissez le meilleur s'ouvrir de votre cœur. Tout revient à l'intérieur du Tantien supérieur. S'ouvre dans l'univers. Revient dans le Tantien supérieur. Du Tantien supérieur jusque dans le palais de Nigma. Les paumes de main, jusque dans le palais de Nigma. Les plantes de pied, jusque dans le palais de Nigma. Le cou et la gorge s'ouvrent. Les épaules et les bras s'ouvrent. Le Tantien médian. Sous
d'antienne inférieure. Sous le bassin et les jambes. Sous tout s'illumine. La colonne, tout s'illumine. Superposer les paumes de main sur le nombril. Séparez les mains doucement et bougez librement pour vous sentir bien partout. Confirmez les bonnes sensations pour que tout circule librement dans le chi, que la conscience confirme que tout va bien en ressentant que tout va bien. Merci beaucoup. Passez une très bonne journée. À demain. Journée à toi aussi.